Le nerf sciatique est le nerf le plus long du corps. Il commence au niveau des vertèbres lombaires et s'étend jusqu'à la partie postérieure des cuisses, des jambes pour terminer dans les talons. La douleur qui voyage par ce chemin est connue comme la douleur de sciatique. Découvrez dans cet article comment traiter la sciatique avec des remèdes de maison. Que faut-il savoir sur la sciatique? Les douleurs ou les problèmes de sciatique se présentent lorsqu'une pression est exercée sur ce même nerf, que ce soit à cause d'une lésion dans les vertèbres lombaires, de contracture des muscles alentour ou d'inflammation du nerf, connue comme névrite. La douleur peut se manifester de différentes manières, sensation de fourmis légères dans les pieds, crampes, spasmes ou douleurs depuis la hanche jusqu'au genou, sensation de courbature ou d'engourdissement, douleur du type décharge électrique dans les jambes, qui peut changer régulièrement de lieu, douleur sévère qui ne permet pas de marcher normalement, qui sont les personnes qui ont le plus de risques de souffrir de problèmes de sciatique. Les personnes qui souffrent d'arthrite ou d'ostéoporose, personnes qui fument, les personnes qui soulèvent souvent des objets lourds, par exemple, au travail ou pendant des activités sportives. Lisez également, 6 raisons pour lesquelles votre dos peut vous faire mal. Remèdes de maison pour traiter la sciatique et lutter contre la douleur. S'il est certain que ces remèdes doivent être des compléments au traitement prescrit par le médecin, nous pouvons tout de même en profiter dès que les symptômes apparaissent. Il existe de nombreux moyens thérapeutiques bienfaisants pour traiter la sciatique et la douleur qui en découle. Les plus efficaces sont les suivants. Faites cuire 4 pommes de terre et écrasez-les pour en faire une purée. Répandez cette purée sur un grand torchon propre et appliquez-le comme un cataplasme sur la région lombaire douloureuse. Fixez bien avec une ceinture pour que cela ne bouge pas. Maintenez-le jusqu'à ce que la purée refroidisse. Répétez cela plusieurs fois par jour. Coupez un oignon en deux et avec la partie interne, massez la zone affectée en faisant des massages circulaires doux, pendant 10 minutes environ. Répétez l'opération chaque 60-90 minutes. Si c'est nécessaire, vous pouvez utiliser la moitié restante. Cela vous permettra de traiter la sciatique. Appliquez plusieurs feuilles de chou chaude sur la zone douloureuse. Laissez agir jusqu'à ce que les feuilles soient froides. Préparez donc un cataplasme ou houblon. Faites ensuite bouillir cette herbe pendant 10 minutes et enveloppez-la dans une gaze que vous apposerez sur la zone affectée. Appliquez-la le plus chaud possible mais ne vous brûlez pas. Couvrez avec un linge en laine pour que la chaleur se conserve mieux. Vous pouvez garder l'eau de cette préparation pour humidifier cette zone à nouveau. N'oubliez pas de la réchauffer. Massez la zone avec des mouvements doux et circulaires, en utilisant de l'huile de lin ou de l'huile de poisson. Buvez une infusion de valériane ou de fruits de la passion, également connue comme passiflore, pour favoriser la relaxation des muscles qui entourent la sciatique, surtout quand celle-ci est causée par des contractions qui appuient sur le nerf. Remède à base de plantes: coupez 50 g de racines de radis frais, lavez-le bien sans l'éplucher et faites-le tremper dans 1 litre de vin blanc. Laissez reposer pendant 3 semaines, filtrez et buvez-en 2 verres par jour, après le déjeuner et le dîner. Versez dans une tasse pleine d'eau bouillante 2 pincées d'anis, 2 pincées de marjolaine, 2 pincées de romarin et 2 pincées de menthe. Laissez reposer pendant 5 minutes et buvez-en avant de dormir. Faites bouillir une écorce de saule dans un demi-litre d'eau pendant 5 minutes. Égouttez pour éliminer les sédiments et buvez-en une tasse toutes les 8 heures. Cela calmera votre douleur grâce à la salicyline. Mettez dans un litre d'eau une cuillerée de thym, une cuillerée d'ortie verte, une cuillerée d'origan. Faites bouillir pendant 15 minutes. Éteignez le feu et laissez reposer pendant 5 minutes avant de filtrer. Buvez-en 2 fois par jour. Faites bouillir pendant 5 minutes une poignée de romarin dans un demi-litre d'eau. Retirez et exposez un linge à ses vapeurs. Ensuite, imbibez-le avec du vinaigre et frottez sur les zones douloureuses. Versez une poignée de thym et une poignée de menthe dans 300 cm3 d'eau. Mélangez avec force. Faites chauffer pendant 8 minutes. Imbibez un linge ou un coton, appliquez-le sur la zone affectée, puis laissez agir pendant 1 heure. Dans une tasse d'eau bouillante, versez une cuillerée de ghee en poudre. Couvrez et laissez macérer toute la nuit. Le matin suivant,
chauffer à nouveau et appliquer le compresse sur la zone en question. Lisez également, routine de yoga pour soulager les douleurs de dauphin, des remèdes pour traiter la sciatique. Mélanger 150 g de calendula, 100 g de plantain et 200 g de millepertuis dans 1 litre d'huile d'olive. Faites bouillir à feu doux pendant 4 heures. Laissez ensuite refroidir, filtrer et conserver le mélange dans un flacon de verre avec un bouchon hermétique, dans un endroit le plus sombre possible, pendant un mois. Appliquez-le en faisant des massages sur les endroits où la sciatique est douloureuse. Versez tout d'abord une poignée de feuilles de pin lavées dans une bouteille de vin. Faites ensuite macérer pendant 7 jours et ensuite ajoutez une cuillerée de miel. Buvez-en pendant 40 jours d'affilée avant de dormir. Faites un massage sur la sciatique avec un mélange fait de 2 cuillerées d'huile de sésame et une cuillerée de gingembre moulu. Faites un jus de pomme de terre mélangé à un jus de céleri et de betterave ou de carotte. Buvez-en chaque jour un verre. L'eau est aussi une bonne alternative pour soulager les douleurs de sciatique car elle augmente la circulation du sang. Mélangez 2 gousses d'ail écrasées avec une demi-tasse de lait tiède et buvez-en 2 tasses par jour pendant une semaine. Faites attention avec l'ail car il n'est pas conseillé aux patients qui consomment des anticoagulants, qui souffrent d'ulcères ou qui ont des problèmes d'hémorragie. Et voilà, vous savez maintenant comment traiter la sciatique et diminuer la douleur qui en découle. 6 façons dont votre routine quotidienne aggrave votre mal de dos. Le mal de dos est l'une des principales causes de handicap. Nous ne portons pas assez d'attention à notre santé et à notre colonne vertébrale. Lire plus Let's Block ADS. Why?